Et salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu tour de coup. Nous allons parler d'un prototype et pas n'importe lequel, puisque nous allons parler de The Witcher Old World. Et oui, vous savez, c'est en train de frétiller un peu sur Kickstarter en ce moment. Ça a dépassé les millions et je vous en parle un peu plus maintenant là-dessus. Allez, c'est parti. Witcher, le Old World, le monde ancien, qui va être bien évidemment francisé, entre guillemets. Eh bien, par Matagot and Friends, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir le prototype de par Matagot, alors que je ne l'ai même pas demandé, mais bon, voilà, ça va vous permettre de faire une visu là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu de 1 jusqu'à 5 joueurs pour des parties qui avoisinent les 60 à 100 et quelques minutes. Hein. On est peut-être sur un peu sur des gros trucs un peu velus. C'est de 1 jusqu'à 5 joueurs. Il faut compter quand même le ticket d'entrée à 70, 80, voire 120 pour la Deluxe. Hein. On est sur quelque chose d'assez volumineux. Et ça vous met, ça vous place dans la peau d'un sorceleur, et oui, d'un Witcher, qui va devoir eh bien, essayer de gagner le plus de trophées que ses compatriotes. Si vous gagnez eh bien, 4 trophées, vous gagnez directement la partie. Et si bah, vous ne gagnez pas les 4 trophées, bah, vous recommencez une partie ou alors... Bah, vous faites ce que vous voulez avec votre jeu. Quoi qu'il en soit, ici, c'est un prototype. Il y a certaines choses qui peuvent changer, pas sur le gameplay ni le corps du jeu. Je pense que là, on est quand même sur un truc qui va tourner comme son nom l'indique. Je vais vous montrer, grosso modo, un tour, comment se passe le jeu à plusieurs, dans ses tenants et ses aboutissants, et surtout, en solo, vous faire quelques tours pour vous montrer, grosso modo, si c'est un jeu qui est fait pour vous ou pas du tout. Je ne vais pas finir sur les points positifs et négatifs. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que c'est un prototype. Et sur les prototypes, vous savez, sur la chaîne, moi, je ne donne pas trop les points positifs et négatifs. Je vais juste donner mon sentiment là-dessus, sur The Witcher. À l'heure où je vous parle et où je tourne cette vidéo, je prends mon petit portable. Nous sommes à 1 million. 636 725 euros pour 16 187 contributeurs et il reste 16 jours, et eh oui, 16 jours avant la fin pour ce jeu, je le rappelle, de, je sais pas comment il s'appelle ce mec là, Lukasz Wozniak, un jeu de Lukasz Wozniak sous la licence de The Witcher. Alors The Witcher, qu'est-ce que c'est? On va se faire directement un petit focus, allez c'est parti. Voici grosso modo ce que vous allez avoir dans une boîte de The Witcher. Alors là uniquement, ça va être un peu le core set, donc c'est 70 euros ou 80, je ne sais pas combien vous allez payer la chose sur Kickstarter. Vous allez avoir tout ceci, à savoir un plateau de jeu qui représente le monde, le vieux monde hein, dans The Witcher. Vous allez avoir des figurines de sorceleurs qui sont ici, vous voyez, là, c'est des figurines un peu prototypes. Elles sont assez jolies pour le coup, donc ça c'est assez sympa. Et un autre qui se trouve de l'autre côté. Bien évidemment, vous allez avoir, comme son nom l'indique, des sorciers. Alors, les sorciers, vous allez les avoir, les sorceleurs plus précisément, pas les sorciers, les renégats et les malfrats. Vous allez avoir une école qui est propre à chaque sorceleur. C'est-à-dire que là, on a l'école du loup, on a l'école du chat, on a l'école aussi de l'ours. Et ça va différencier uniquement sur la dernière capa que vous allez avoir ici. Sachant que les capas de combat, de défense et d'alchimie, donc d'alchimiste, vont être pareils pour tout le monde. Vous allez avoir 5 niveaux. Vous allez avoir ici eh bien, ce qu'on appelle la défense quand vous allez vous faire taper, bien évidemment, par des monstres. Au lieu de vous perdre des points de vie qui vont être représentés par des cartes, vous allez voir, vous allez avoir ce petit côté dégressif. Ça, c'est pour un plateau. Je ne vous montre pas les autres parce que vous voyez, la table là est bien fournie. C'est un peu compliqué et c'est même un peu le désordre là pour tout vous montrer. Chaque sorceleur va arriver avec un petit deck de cartes. Les decks de cartes, vous allez en avoir une dizaine qui est propre à chaque sorceleur. Vous allez avoir des couleurs, vous allez avoir des icônes et vous allez avoir des terrains ainsi qu'un coup qui se trouve en dessous. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout bonnement qu'avec cette carte, par exemple, dès que je vais la jouer, je vais pouvoir infliger un dégât. Et si je joue une carte verte juste après, eh bien, je vais avoir un bonus de plus 1 dans mes combats pour retirer des cartes. C'est un coût de 0, donc je n'ai pas besoin, entre guillemets, de défausser des cartes pour pouvoir l'acheter, puisque la monnaie du jeu, bien qu'elle est existante, vous allez voir qu'elle va vous servir à augmenter vos niveaux, mais non pas acheter. C'est vrai qu'au début, c'est un peu déroutant. Et ici, c'est les localisations, donc c'est un peu le chemin que vous allez pouvoir prendre pour vous rendre en défaussant cette carte. Je vais pouvoir aller jusqu'à une ville avec ce petit symbole-là. Mais vous allez voir, c'est super simple quand je vais vous expliquer la chose. Nous allons avoir les monstres ici, les monstres de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Pourquoi ? Parce que là, c'est une partie en solo.
Normalement, quand vous jouez à 2+, c'est uniquement des monstres de niveau 1. Quand vous allez tuer un monstre de niveau 1, vous le remplacez avec un monstre de niveau 2, ensuite un monstre de niveau 3, etc. Donc là, je vous ai fait uniquement un setup pour du solo pour vous montrer grosso modo comment ça marche. Vous allez ensuite tirer des cartes, enfin des petits tokens comme ça, qui vont représenter la localisation et bien justement des monstres. Donc au préalable, je l'ai fait, là on a le 4, le 16, le 6. Et ici, c'est ce qu'on appelle le marché, c'est ce que vous allez avoir dans la dernière phase, puisque le jeu se compose en 3 phases totalement différentes, dont je vais vous expliquer bien évidemment, ne vous inquiétez pas, avec les événements et ainsi que les quêtes qui se trouvent ici. Donc comment se joue ce Witcher? Alors on va juste énumérer grosso modo avec les parties, si on a 2 joueurs ou plus, le but étant de gagner bien évidemment 4 trophées. Celui qui gagne 4 trophées, ben vous gagnez directement la partie. Comment on gagne des trophées? On gagne des trophées en attaquant principalement des monstres et en les tapant dessus et en vainquant du coup les monstres. On peut gagner des trophées en tuant, entre guillemets, bien évidemment des monstres, mais aussi en attaquant d'autres sorceleurs. Et vous pouvez gagner bien évidemment eh bien, des trophées en justement faisant une méditation. Par contre, pour pouvoir faire une méditation, il va falloir arriver au niveau 5 qui se trouve ici d'une compétence pour justement vous permettre de faire la chose. Donc à son tour de jeu, on récupère hop 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 donc 3 cartes, grosso modo, hein, c'est toujours ça. Le premier joueur, je crois, c'est 3 cartes, le deuxième c'est 4-5 avec un nombre de pièces qui varie. Donc vous allez avoir votre petite carte, voilà, votre petite mimine, et on va dire que nous on va jouer, voilà, Erin qui se trouve eh bien à Kaer Morhen. Donc Kaer Morhen, j'ai ces cartes-ci. Donc vous voyez, je peux me déplacer vers une localisation de forêt, une localisation de collines de montagne et une autre localisation de forêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, principalement, je pourrais aller ici et je pourrais aller ici. Par contre, si je veux aller, par exemple, dans cette petite clairière d'eau, ben, normalement, je ne peux pas, puisque avec les icônes, je n'ai pas une vague d'eau, je ne peux pas m'y rendre. Mais, puisqu'il y a un mais, vous pouvez défausser une carte et payer un d'argent pour pouvoir vous y rendre, ou alors défausser 2 cartes de n'importe quel symbole pour pouvoir vous y rendre directement. Donc ça, on va dire, vous n'êtes jamais bloqué pour pouvoir avancer. Donc c'est un peu la chose là-dessus. Donc eh bien là, on va se dire que tiens, on va aller peut-être eh bien directement là-dessus. Donc je vais enlever cette carte et enlever cette carte, donc 2 cartes, pour justement, on va les mettre dans la défausse que vous ne voyez pas, pour ramener mon petit Erin ici. Dès que je me retrouve directement sur une localisation, ce que je peux faire, eh bien, je peux faire, si possible, alors si vous ne le voulez pas, vous ne le faites pas, mais vous pouvez faire l'action qui se trouve ici. Ici, par exemple, j'augmente mon niveau eh bien, d'alchimiste de 1. Donc, je vais prendre le petit token ici et je vais le ramener à 2. Donc, je suis au niveau 2 directement. Et oui, ça va vite. Et une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez jouer encore cette carte pour aller dans une montagne. Donc on voit que là, j'ai eh bien pas de montagne, là, j'ai pas de montagne. Eh bien, je pourrais défausser par exemple cette carte pour eh bien payer 1 ici, par exemple, et me rendre directement dans l'école ici, eh bien du serpent. L'école du serpent qui va me permettre, par exemple, de payer 2, voilà, pour augmenter n'importe quel stat à un niveau 1. Et ensuite, si vous payez 3, c'est au niveau 3. Si vous payez 4, c'est au niveau 4. Si vous payez 5, c'est au niveau 5. Donc, je vais prendre mon combat et je vais l'augmenter directement ici à 2. Donc, vous voyez, là, principalement, la phase numéro 1, c'est la phase où vous allez pouvoir explorer, bouger, etc. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous n'avez plus de carte en main ou vous ne voulez plus bouger, par exemple, ce qui est totalement possible de faire, vous allez arriver sur la deuxième phase. La deuxième phase va vous permettre soit de taper, bien évidemment, des monstres, soit de jouer au poker, eh bien, si vous avez un sorceleur à côté, soit de taper un sorceleur, ou soit, bien évidemment, de faire un événement citadin ou alors un événement des terres sauvages. Eh bien, on va dire, on est dans une ville, on va essayer un événement citadin. L'événement citadin, vous donnez ça normalement à l'autre joueur. C'est l'autre joueur qui va vous lire directement l'événement. Et il va ensuite vous donner les 2 propositions. Et selon les 2 propositions, vous allez choisir grosso modo laquelle prendre. Donc il y a un petit côté storytelling, un peu jeu de rôle hein, de ce que vous voulez par votre aventure. Donc par exemple ici, eh bien, il y a une sorte de libraire et un amateur de science des mondes occultes qui a une collection de larges bouquins par exemple. Hein. Donc ce n'est même pas par exemple, c'est totalement des bouquins. Et parmi ceux-ci, eh bien, vous notez un livre qui est justement, qui concerne les sorceleurs. Et alors, soit on vous demande de lire
le livre par rapport au sorceleur, ou soit on vous demande de lire eh bien, l'autre livre à côté qui lui parle des monstres. Donc par rapport à ça, bah, un choix est fait. Une fois que vous faites ce choix, ça peut vous donner eh bien, des quêtes supplémentaires, ça peut vous donner d'autres choses. Là, je ne vais pas vous spoiler, je vais vous mettre ça directement là-dessus. Sachez que ça peut vous faire augmenter vos stats, vous donner des petits combats, etc. Donc voilà, ça, c'est, on va dire, c'est assez sympa. Et c'est pareil ici, hein. Donc les deux un peu vous donneront pas mal de choses à dire. Une fois que vous avez fait la deuxième phase, donc je le rappelle, soit on combat ou alors soit on prend un événement, etc., on passe à la phase d'achat. Durant la phase d'achat, vous allez pouvoir acheter une carte. Au préalable, avant de pouvoir acheter une carte, vous allez augmenter, vous allez piocher plus précisément et non pas augmenter, vous allez prendre et recompléter votre main jusqu'à 3 cartes. Donc là, j'étais à 0 carte, je récupère jusqu'à 3 cartes. Et les cartes sont la monnaie du jeu. Les cartes vont vous permettre justement d'acheter eh bien, des cartes qui se trouvent ici. Par exemple, je pourrais acheter une carte ici qui coûte 0, voilà, donc je la mets directement dans ma main. Mais si je veux celle-ci, bah, c'est plus 1 pour le coup. Donc il faut que je défausse une carte justement de ma main de 3 pour pouvoir remettre celle-ci dans ma main. Mais là, je me dis que celle-ci, voilà, je vais la jouer directement dessus et il n'y a pas de problème. Donc on décale ensuite tout ceci, ça vous permet d'acheter d'autres cartes et on en remet une autre. Bien évidemment, vous n'avez le droit que d'acheter une seule carte. Un autre tour continue, donc par exemple ici, alors vous voyez, hein, on peut faire du poker. Alors, je vais vous montrer le poker parce que finalement, ils sont un peu attardés là-dessus. Le poker, bah, chaque joueur va miser en fait 1. Si vous n'êtes pas là-dedans, donc c'est les villageois qui vont miser 1. Vous allez lancer votre pool de dés qui représente grosso modo votre carte. À côté de ça, vous lancez eh bien, les pools de dés des autres. Donc, vous voyez, vous avez le droit à 2 relances. Là, j'ai par exemple un truc de 3, donc c'est plutôt pas mal. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, vous voyez, il y a une suite ici. Donc, soit vous perdez, soit directement vous gagnez le pool commun. Donc voilà, ça c'est ce qu'ils appellent le poker à l'intérieur. Ouais, c'est pas non plus reluisant, hein, c'est pas fou, mais bon, on va dire pourquoi pas. Une fois que vous avez fait tout ceci, donc vous voulez peut-être eh bien, vous taper avec les monstres, et oui, puisqu'il est important de taper dans ce The Witcher les monstres, dès que vous allez pouvoir taper eh bien, des monstres en étant directement sur la case, ou alors en essayant avec des effets, bien évidemment, sur les cités, de prendre en chasse le monstre, par exemple ici. On est sur, normalement, le numéro 4 pour pouvoir attaquer eh bien, l'archisport ici. Eh bien là, si vous allez sur le numéro 13, vous le prenez en tenaille avec un argent supplémentaire, entre guillemets. Hop, on va mettre 1. Voilà, si vous arrivez sur le 13, vous pouvez directement l'attaquer. En fait, c'est comme si vous aviez fait une traque. Et c'est un avantage assez certain, puisque normalement, quand vous initialisez un combat avec justement eh bien, le gros monstre, vous êtes dans l'obligation de jouer en deuxième position. Là, quand vous traquez le monstre avec des petits tokens comme ça que vous avez qui correspondent justement à la vague, eh bien, vous allez pouvoir interagir en premier. Quand vous rentrez dans un combat, vous allez garder les cartes que vous allez avoir dans la main. Par contre, les cartes que vous allez avoir eh bien, dans votre deck ainsi que dans votre défausse, vous les mélangez pour justement constituer la réserve de pioche de Tatan, mais surtout la réserve de vos points de vie, effectivement, puisque ça va correspondre à vos points de vie. On va les mettre juste à côté et on va dire que tiens, on va taper l'archisport. Et l'archisport, il vous dit que bah, pour initialiser un combat avec lui, normalement, vous devez eh bien, vous prendre une potion, enfin, défausser plus précisément une potion. Les potions, vous allez pouvoir les prendre directement eh bien, dans des villes, etc., qui sont stipulées. Vous avez le droit à 4 potions. Par contre, vous pouvez utiliser durant un combat uniquement que votre niveau de potion. Si vous êtes au niveau 2 des potions, eh bien, vous ne pouvez utiliser que 2 potions durant le combat. Donc, attention aussi à faire plein de choses. Donc voilà, les potions, ça vous donne des effets supplémentaires. Vous allez pouvoir augmenter votre shield, etc. Une fois qu'on est ici, hop, tac, on est dans cette configuration-ci. On va prendre le nombre de points de vie qu'on a ici sur l'archesport, c'est-à-dire 12, et on va prendre 12 cartes du deck de monstres. Donc on va les mélanger, plap, et on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voici. Une fois que les 12 ont été faits, dans un jeu à 2 joueurs ou à plus, eh bien, c'est un des joueurs qui va justement vous dire quand il va jouer le monstre, s'il va vous faire une morsure, ce qu'on appelle bite, ou s'il va vous faire une charge, ce qu'on appelle charge. Et dès qu'il va choisir l'une des deux options, il va révéler justement eh bien, la carte et il va vous coller le nombre de points de dégâts qui est infligé dessus. Donc ça vous permet voilà, d'avoir une sorte de guessing, mais bon, vous avouerez que c'est pas non plus foufou. Quand vous jouez en solo, vous allez lancer uniquement un dé de 1 à 3, c'est justement le bite, et de 4 à 6, eh bien, c'est le charge. Donc ça se résume directement là-dessus. On va dire qu'on commence, on joue en premier. On va se prendre du coup nos petites cartes. Donc voilà, ça, on va les mettre là-dedans.
Et c'est ce qu'on appelle maintenant le système de tatane et le système de combo. Comment marche le système de tatane? Eh bien, pour chaque petite fleur et dégâts ici que vous allez faire, vous allez pouvoir interagir et faire un dégât. Par contre, il se peut que vous ayez des cartes comme celle-ci qui vous mettent un petit symbole ici, vous voyez, rouge. C'est-à-dire que quand vous jouez cette carte, si vous jouez une carte rouge juste après celle-ci, vous allez faire un combo et vous allez bénéficier, par exemple, eh bien, d'une petite défense supplémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien évidemment, vu que nous allons tricher dans cette vidéo, si je prends une carte de rouge que je ne trouve pas ici, bien évidemment, puisque voilà, c'est fatal, donc voilà, je vais mettre une carte là-dessus, voilà, on va en retirer même une autre, même pas. Voilà, on va dire qu'on est dans cette config-ci. Je suis le premier joueur à jouer, donc je vais faire une carte ici, donc je vais faire un dégât. Je vais ensuite jouer la carte ici rouge qui va me donner eh bien, un bouclier supplémentaire. Et là, je vais jouer une carte rouge qui me fait 2 dégâts. Et là, malheureusement, j'ai rien d'autre puisqu'il n'y a pas de couleur qui est attitrée à du rouge ici. Mais je pouvais, bien évidemment, s'il y avait du jaune, jouer une jaune. Si la jaune ici, il y a un bleu, bah, jouer les bleus pour jouer de l'ensemble de mes cartes et faire une situation, ce qu'on appelle de chain, de combo. Donc là, je vais gagner plus 1, hop, en bouclier. Et je vais infliger 2 dégâts. Donc 2 dégâts, je retourne les cartes. Donc voilà, une et 2. À côté de ça, le joueur va dire, bah tiens, je vais faire par exemple une charge. Alors pour charger, donc il va lire en haut, et là on va se prendre 5 dommages par exemple. Et 5 dommages, comment ça se passe? On va réduire de 1 le nombre de boucliers que nous avons, donc ici on n'en avait que 1, ça fait 4, et on va défausser 4 cartes. Donc 1, on va faire ensuite 2, on va faire 3, et on va faire 4. Ensuite, une fois que tout ceci a été fait, on va prendre notre valeur de combat, avec les cartes que nous avons jouées, s'il y avait des plus, des moins, etc. pour justement changer ce modificateur, et c'est le nombre de cartes qu'on va piocher. Donc là, je vais piocher deux nouvelles petites cartounettes ici. Ici, je retrouve le même sentiment que tout à l'heure. Donc je vais jouer un truc violet qui va me donner avec un truc rouge 2 dégâts. Et là, je vais mettre mon petit bouclier à 1. Je ne peux pas encore enchaîner. Donc là, je suis à 2. J'inflige 2. 1 et 2, vous voyez. Donc tout ceci, bien évidemment, repart ici. Lui, il va dire, bah tiens, je vais faire un bite. Donc là, eh bien, le joueur, justement, prend des dommages égaux à sa spécialité. Ici, ma spécialité, c'est le swordsmanship. Donc, j'ai 1. Eh bien, je vais perdre une carte directement. Là, je vais récupérer 2 cartes. Il ne m'en reste qu'une dans le deck. Attention, puisque là, eh bien, malheureusement, je ne vais plus pouvoir piocher. Et si je dois perdre des cartes, eh bien, je dois les perdre de ma main, puisqu'il n'y a plus rien dans la défausse. Donc, vous voyez que là, il lui reste, grosso modo, eh bien, 5 points de vie, enfin 6 points de vie, je ne vais pas pouvoir en caler 6, puisqu'il me reste 3 cartes dans la main, je ne vais plus pouvoir piocher. Ça veut dire qu'avant d'initialiser, bien évidemment, un combat, ne le faites pas maintenant comme je l'ai fait en début de tour. Achetez des cartes, essayez d'harmoniser un peu plus votre deck, pour la simple et bonne raison que le deck constitue à la fois vos points de vie, à la fois vos déplacements que vous allez pouvoir faire et harmoniser, mais surtout des combos que vous allez pouvoir faire dans votre deck pour taper de plus en plus fort le monstre. Et surtout, ne pas tomber à court comme moi je l'ai fait ici, puisque ça représente aussi vos points de vie. Une fois que tout ceci a été fini, bah, du coup, si vous perdez, eh bien, bah, le monstre peut être en déroute. Donc, il peut changer bien évidemment de localisation. Si vous tuez le monstre, bah, vous gagnez directement le trophée. Vous retournez la carte, vous lisez et ensuite, vous subissez la fatigue. Alors, la fatigue, c'est directement ici, c'est le nombre de cartes que vous allez jeter. Généralement, ça va, quand on dit jeter les cartes, c'est pas dans la défausse, c'est retirer du jeu directement. Et ce sont des cartes que vous allez pouvoir épurer un tout petit peu plus vos decks, etc. Donc il y a ce petit aspect deck building. Et bien évidemment, vous allez remettre un jeton de niveau 2 cette fois-ci, puisque vous avez combattu un monstre de niveau 1. Et en solo, bah, vous allez voir, c'est super simple. Et bien en solo, vous allez mettre un monstre de niveau 1, un monstre de niveau 2, un monstre de niveau 3. Et le but en solo, ça sera de faire le moins de tours possible pour tuer l'ensemble eh bien, des 3 monstres que vous avez ici. Donc voici, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus puisque je vous ai donné vraiment l'essence de ce The Witcher. Petite particularité, je vais vous même laisser là-dessus. C'est-à-dire que si hop, vous dépassez le niveau 1 avec l'ensemble de votre petite stat, hop, vous augmentez, vous êtes au niveau 2. Si par contre, voilà, on est ici et tout le monde passe au niveau 3, voilà, tout le monde l'a dépassé ou égalé, vous passez au niveau 3. Et bien évidemment, quand vous êtes au niveau 4, hop, 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 vous passez niveau 4, etc. Donc ça, ça ne change pas. Il y a un système de leveling, on va dire, assez rudimentaire qui vous permet d'avoir une sorte d'ascension dans justement eh bien, ce The Witcher. Allez, on dézoome et je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est plus un sentiment de jeu.
J'ai pu faire une dizaine de parties parce que ça s'enchaîne assez vite en solo, hein. C'est juste un nombre de tours à faire pour essayer de taper un peu les choses. Et j'ai simulé un peu eh bien, deux sorceleurs autour de la table, puisqu'à deux, franchement, j'ai trouvé ça très fade. Et à trois, on va dire qu'on commence à pressentir un peu les frémissements d'un truc qui se passerait autour de la table. Mon sentiment déjà sur le multi, bien qu'il soit, je vous l'accorde, un peu faussé, puisque ce n'est pas trois joueurs hein, vraiment autour de la table, c'est un truc que j'ai pu simuler en ayant un peu les coups de Trafalgar, etc. On sent que voilà, c'est une sorte de, on va dire, mais vraiment, talisman où vous allez faire chez l'hôte, etc., essayer de taper dessus, essayer de faire des pokers avec lui pour dévaliser son argent, entre guillemets. Et c'est une sorte de course au trophée pour justement essayer de prendre l'ascendant eh bien, sur le jeu. Puisque je vous le rappelle, hein, si vous avez 4 trophées, bah, vous gagnez directement et obligatoirement la partie. Tout de suite, elle se termine. Maintenant, en solo, c'est hyper rudimentaire. C'est une simple variante vraiment qu'on peut trouver chez des fan trades de BGG, etc. Alors, je ne sais pas, on m'a parlé d'un add-on apparemment sur un mode solo qui serait en campagne. Je vous avouerai que j'ai vu ça de très très loin. Je n'en sais pas plus. En tout cas, le solo de la boîte de base, et c'est celui-ci. Il faut détruire 3 monstres dans un niveau de temps, on va dire, limité, puisque par rapport à vos temps, vous allez ensuite être un grand sorceleur, vous allez être une bourrique. Voilà, donc c'est un peu un système de scoring très, très, très rudimentaire et basique. Ce que vous allez avoir dedans, c'est... Il ne faut pas le prendre comme étant l'univers The Witcher, entre guillemets, du jeu vidéo. C'est vous allez tomber de 79 étages parce que c'est pas ça hein, ce que procure ce jeu. Ce n'est absolument pas le jeu vidéo que vous allez avoir. Ici, il faut plus le voir comme étant du familial où vous allez eh bien, évoluer dans le monde de The Witcher. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir Ciri, vous n'allez pas avoir Geralt de Rive, vous n'allez pas avoir Yennefer. Donc voilà, il n'y a pas... Alors peut-être dans la campagne, je ne sais pas, je vous avouerai que ça... En plus, je ne vais même pas la suivre parce que ça ne m'intéresse pas. Mais vous n'allez pas avoir les personnages emblématiques. Vous n'allez pas avoir ce côté aventure. Beaucoup peut-être se poser la question en se disant « Je vais avoir affaire peut-être à une sorte de descent-like, je vais avoir peut-être affaire à une sorte de voyage en terre du milieu, avec pourquoi pas une application, etc. » Mais une sorte de jeu d'aventure. Ce n'est clairement pas un jeu d'aventure. L'aventure, entre guillemets, c'est uniquement quand vous allez vous déplacer, lire ce qui va vous arriver en termes d'événements, les petites quêtes qui vont arriver, etc. Donc ça va représenter votre aventure, mais ce n'est pas, entre guillemets, le jeu vidéo. Alors, bien évidemment, il y a 2 grilles de lecture. Je vais vous donner la mienne et je vais vous donner celle, grosso modo, qu'on peut attendre hein, sur ce jeu et justement le positionnement qui va se faire par rapport à ces 2 visions. Et c'est super important parce que sinon, ça peut un peu fausser. Moi, je m'attendais personnellement à un jeu comme The Witcher du jeu vidéo. Alors moi, je l'ai pas fini The Witcher. Alors, je sais, vous allez me dire, ah, c'est une hérésie, etc. Déjà, je m'en fous. Et en même temps, c'est juste que j'ai pas eu le temps, mais j'ai fait une 40aine d'heures. Effectivement, on a la sensation d'avoir déjà un excellent jeu, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est un peu ce côté-là, heroic fantasy, etc. Et puis, c'est une très bonne narration. On retrouve un tout petit peu l'effet de la narration ici, mais on vit surtout une aventure. On essaye de crafter son personnage, donc d'améliorer son équipement. Avant de partir, bien évidemment, en chasse, on va essayer d'imbiber ses lames avec du poison pour essayer de faire plus de dégâts. Donc voilà, ce côté-là, on ne le retrouve absolument pas dedans. Hein. Donc tout ce qui a fait l'essence, entre guillemets, du jeu vidéo, à savoir la découverte, l'exploration, le storytelling, les enquêtes, puisqu'il y a aussi des enquêtes, tout ceci... On ne le retrouve pas tellement à l'intérieur. On va le retrouver peut-être sur certaines petites narrations en disant « Ouais, allez voir là-bas ce qui se passe, etc. » Donc voilà, c'est ce côté-là que vous allez retrouver hein, avec les cartes d'événements citadins ou alors des terres sauvages qui vont vous donner lieu à des quêtes. Mais tout ceci, l'aventure, voilà, le fait de taper des monstres avec des dégâts, avec des dés, etc. Non, ça, ce n'est pas possible. Donc ceux qui s'attendent à un jeu d'aventure comme moi, je me suis attendu à un jeu d'aventure comme Voyage en Terre de Milieu ou alors Les Demeures de l'Épouvante avec quelque chose, voilà, où vous allez vivre quelque chose de très prenant comme le jeu vidéo, ce n'est pas ça. Par contre, si vous aimez The Witcher et si l'univers, justement, vous permet... de vous transcender dans une sorte de familial plus... Non, familial, c'est même pas familial plus, c'est familial avec un côté deck building qui donne ce côté combo de cartes que vous allez faire, qui est, ma foi, on va dire assez sympa, mais pas non plus transcendant. Voilà, vous allez harmoniser un peu ce côté-là. Mais pour moi, c'est plus du familial
qui justement évolue dans un univers qui est The Witcher. Attention, pas celui, hein, jeu vidéo, etc. Mais qui va vous donner un avant-goût de l'univers si vous voulez vous plonger dedans ou si vous voulez peut-être étendre la chose dessus. Se pose maintenant la question du prix. Alors effectivement, comme je vous l'ai dit, je crois que c'est 70 à 80 euros la boîte de base. Très sincèrement, moi je trouve ça super super cher par rapport à ce que vous allez avoir à l'intérieur. Alors les figurines sont très sympas, c'est du 28 mm il me semble. Bon, c'est des protos, hein. Moi j'ai eu des trucs qui sont cassés, vous voyez. Donc c'est bien, c'est détaillé. Alors si c'est comme ça, donc elles sont très très classe, etc. Mais ça n'apporte rien au jeu. Hein. Autant mettre des tokens, personnellement, j'aurais plus vu des tokens dans une vue, machin. C'est plus sympa. Ça emprunte un peu au jeu qui a été sorti auparavant, pareil, de The Witcher, où là on avait Geralt, etc. Il y a un peu les mêmes principes. Donc maintenant, il a des prix pharaoniques. Donc si vous le souhaitez, ben, voilà, il y a celui-ci qui vous permet un peu de transition par rapport à la première version que vous ne pouvez pas avoir. Pourquoi pas? Maintenant, moi, je trouve que c'est super, super cher, sachant qu'il y a, je crois que c'est 120 ou 130 dollars la Deluxe, où vous allez avoir des figurines d'ennemis, etc. Très sincèrement, les figurines d'ennemis, à part si vous faites une collection de The Witcher ou si vous voulez vraiment les peindre, ça apporte rien au jeu, les figurines. Certains me diront oui, mais quand même l'immersion. Alors, il y a certaines figurines qui apportent ce côté immersif, comme Assaut sur l'Empire ou alors Descent, où vous allez un peu évoluer là-dedans. Pourquoi pas? Mais il y a des figurines où ça ne sert à rien, comme celui-ci, de simples tokens auraient été plus simples. Ou par exemple, dans le 7e continent, mettre des tokens dessus, ça ne sert à rien. On a encore par exemple Destiny's, où mettre des tokens aurait servi à voilà, avoir un truc un peu plus homogène, puisque des figurines sur des tuiles. Enfin, des trucs carrés comme ça, vu d'en haut, c'est pas le même plan, donc ça à vous de voir, mais moi je trouve ça super cher. Et par rapport à ce qui est proposé à l'intérieur de The Witcher, moi je trouve ça hyper hyper salé. Maintenant, à vous de voir si vraiment vous voulez rentrer dans The Witcher avec ce que je vous ai montré, et si ça vous plaît énormément, bah, c'est votre argent, donc allez-y. Maintenant, si vous êtes comme moi, vous attendiez plus à un jeu d'aventure avec ce côté storytelling. Moi, je trouve le jeu hyper simple. Alors, voilà, c'est du familial, mais il y a des jeux un peu dans ce côté format familial qui vous proposent des trucs assez sympas et qui vous donnent envie de revenir. Je vous avouerai qu'à chaque partie, moi, que j'ai pu faire, bah, c'était tout le temps la même chose. Donc, je vais là-bas, je vais augmenter mes trucs, je vais augmenter mes stats, sachant que les stats, vous les augmentez en allant uniquement dans une cité. Alors, sur le lore, etc., bah, c'est dommage parce qu'on pourrait mettre peut-être un paquet de cartes de mignonne, on essaye de taper dessus avec pourquoi pas des lancers de dés, des caractéristiques pour si on arrive à gagner eh bien tant de monstres, on augmente sa capacité d'avoir voilà cet effet un peu de leveling. Moi je trouve ça dommage. On monte très vite et nos tours se résument uniquement à visiter des villes, faire des actions et puis aller combattre des monstres quand on est assez bien stuffé, récupérer des trophées, faire la même chose, etc. Des parties de poker, oh là là, super. Mais voilà, il n'y a rien pour moi en tout cas de transcendant là-dessus. C'est voilà, un jeu, on va dire, vraiment familial, avec un petit côté deck building, on va dire, assez sympa sur le système de combo, mais il ne rénove pas non plus la chose. Ça existe depuis bien longtemps dans des jeux de draft ou autre chose, où vous pouvez combiner des cartes, faire une ascension de cartes, etc. Donc voilà, il n'y a pas non plus des trucs transcendants. Ça vous donne juste un jeu dans l'univers de The Witcher. Donc voilà, si vous voulez vraiment évoluer là-dedans, pourquoi pas, allez-y, mais moi je trouve ça super salé, en tout cas pour le prix, à 35 euros, très sincèrement, ou 40, vous aurez dit, bon voilà, c'est l'univers The Witcher, c'est un jeu assez simplet, la question ne se pose pas, parce qu'à 35 euros, on ne peut pas demander non plus la lune. Là, à 70, 80, c'est un peu coton molletonné, hein. Donc je vous avouerai que je vous dirais plutôt prudence, à vous de voir maintenant, sachant que bien évidemment, voilà, ça reste vos sous et c'est vous qui êtes le seul maître à bord du vaisseau qui est le vôtre. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous avez des questions, je sais pas, sur certains trucs, voilà, comment se passe la chose, ok, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous allez y aller ou alors pas du tout, si vous sentez un peu frétillant, machin, mais finalement vous avez retiré votre truc en disant ouais, non, c'est pas pour moi, etc. Donc à vous de voir, mais quand même, voilà, on est sur une certaine somme. Prenez le maximum d'informations pour vous dire voilà, si c'est fait pour vous, alors pas du tout, et essayez de voir si vous n'avez pas ce même jeu directement chez vous. Puisque pour moi, pour résumer un peu The Witcher Old World, ça serait plus une sorte d'Eurogame avec un tout petit peu de fleuve, des actions à faire, etc. Dans le, on va dire, le lore, le background, et puis ce côté un peu deck building où vous allez construire de manière rudimentaire les actions que vous allez pouvoir faire uniquement quand vous allez pouvoir taper dessus.
À vous de voir si c'est fait pour vous ou alors pas du tout. D'ici là, portez-vous bien. Je regarde encore une fois le téléphone pour voir à combien nous sommes. Si nous sommes à 2 millions, ne sait-on pas. Eh bien, nous sommes encore, je vous ai dit quoi, 1 639 000, c'est ça, je crois. Et là, bah, ça ne veut pas refresh. Mon portable est bloqué, donc je ne peux pas vous dire. Je suis désolé, mais d'ici là, portez-vous bien. Des bisous partout. Ciao, ciao.